Culture Média avec jusqu'à 11h votre invité Philippe Vandel. Bonjour Romane Bouringer. Bonjour Philippe. Comédienne, César du meilleur espoir féminin dans les Nuits Fauves, je le dis parce que les Césars c'est vendredi, ça sera sur Canal et sur Europe. Vous avez tourné Claude Miller, Olivier Dahan ou Richard Bouringer, faut-il dire que c'est votre papa. C'était en 2006, c'est beau, Une ville la nuit. Carrière au théâtre, démarrée à 16 ans avec Peter Brook dans La Tempête. Cet été vous jouiez Annie Ernaux. Et là vous êtes à l'affiche d'un monologue Respire à la Scala de Paris. On va évidemment en dire un mot. Mais votre actu, c'est un film petite au pluriel. Film de Julie Lera Gersan, ça sort aujourd'hui. Vous n'avez pas le rôle central. D'abord, avant qu'on parle de votre personnage, que raconte Petite ? C'est beaucoup plus intéressant ce que parle le film. Petite, c'est l'histoire de Camille, une jeune femme de 16 ans qui se retrouve enceinte et qui va être placée dans un centre pour jeunes mères isolées. Elle veut perdre l'enfant, mais il est trop tard. Il est trop tard pour se séparer de l'enfant. Et la juge considère qu'elle a un rapport trop toxique avec sa propre mère. Donc elle va décider de placer cet enfant dans ce centre maternel pour la durée de la grossesse. Et dans ce centre maternel, elle va rencontrer d'autres jeunes femmes, soit enceintes comme elle, soit déjà mères. Et elle va devoir s'interroger sur la décision qu'elle va devoir prendre sur garder cet enfant ou non. En tout cas, voilà. Et elle va devoir devenir la femme qu'elle sera. C'est-à-dire qu'elle va devoir apprendre à se détacher aussi d'un schéma familial assez lourd. Elle est accompagnée dans cette décision. Qui est Nadine, votre personnage ? Alors Nadine est éducatrice au sein de ce centre. Et elle va, accompagner Camille dans cette période de sa vie de réflexion, de transformation, de bouleversement. Elle va, outrepasser un peu son rôle d'éducatrice, un peu malgré elle, par attachement, et prendre cette place un peu maternante pendant les quelques mois qu'elle va croiser le parcours de cette jeune fille. Elle s'implique, c'est rien de le dire, dans ce centre maternel, mais aussi elle est découragée par le manque de moyens, le manque de personnel, le manque parfois de compétences de certains collègues. On va l'entendre, Nadine, donc votre personnage, c'est en pleine réunion, elle pète un plomb, vous pétez un plomb. Câble. Personne ne dit rien, quoi, c'est... Mais Nadine, ça va, je pense que vous en avez assez fait hier avec Camille, non ? Non, Camille, ça fait 15 jours que tout le monde a lu son dossier et 15 jours que tout le monde se tait. Hein ? Je vous avais dit qu'on en parlerait ensemble, d'accord ? Pas en plein après-midi, sans relais derrière. Mais j'étais à l'hôpital, j'avais la fenêtre de tir. Elle m'a demandé si j'avais lu son dossier. J'ai saisi l'occasion. Eh ben, on aurait dû en discuter en équipe avant, c'est ça ? Ah oui, discuter. Bah oui, on fait que ça, discuter ici. Hein ? On discute, mais on change rien. Ah bah oui, c'est ça, on parle, hein, de Diana qui régresse. Tiens, si on tentait ceci, si on tentait cela. Mais on va se secouer un peu ou quoi ? Redescends Nadine, doucement. Attends, parce que je t'explique, hein. La petite, elle a pas 3 ans, elle a déjà compris que pour que sa mère s'intéresse à elle, il faut qu'elle tombe malade. C'est... Non mais Nadine, ça va, je pense que tout le monde a compris autour de la table, d'accord ? Vous redescendez s'il vous plaît. D'accord, pardon, on parle, on discute, hein. Tiens, on parle de Laura et du climat incestuel entre elle et ses fils ? On parle ? Ah oui, on parle, on laisse faire quoi, on laisse faire. Non, tu peux pas dire ça. Mais si, je le dis, bien sûr, puisque tout le monde ferme sa gueule. Nadine, ça va là. Mais ça va pas ! Tu les vois pas les signaux qu'ils nous envoient, les gosses ? Hein, tu les vois pas qui sautent à ta gueule ? Scène très très forte. Je parle mal. Quand on voit le film, vous parlez mal, mais je vous jouez très très bien. Comment vous avez préparé ce rôle, Romane ? J'ai pas préparé le rôle. Ah bon ? Non, en fait, Julie a écrit ce scénario qui était déjà bouleversant. Julie a beaucoup travaillé au préalable dans les centres maternels. Le scénario a été hyper encadré. De toute façon, Julie est une femme absolument passionnante et elle s'est tellement engagée dans son propos que moi, j'avais toute la matière nécessaire dans le scénario. C'était presque elle, votre tutrice, quoi. Oui. C'était pas la peine d'aller rencontrer des femmes qui font cette profession. Ouais, pas du tout. En fait, son scénario était tellement nourri, tellement sensible. Elle-même avait déjà fait ce travail. Parfois, j'avais pas une formation de cheval à faire, donc ça va. Mais non, mais parfois, tout est là dans les scènes aussi, avec les jeunes femmes, tout était écrit, et de manière très sensible. Donc j'avais pas besoin. Et puis aussi, c'est un sujet qui me touche beaucoup, et donc dans l'actualité, je souvent ouvre mes oreilles à tout ce qui a trait à l'aide à l'enfance, etc. Donc je sais un peu les beautés et les difficultés de ce métier. C'est un film qui parle de naissance et ce film ne serait pas né sans votre présence. On va comprendre pourquoi et comment une histoire de production. Et puis là, on entend des extraits très sombres, mais aussi ensuite, il y a une ouverture vers la lumière. Comment Romane Bouringer nous raconte Culture Média continue à tout de suite sur Europe 1. Culture Média sur Europe 1 avec votre invité Philippe Vandel, Romane Bouringer. On est avec Romane, on parle de Petite, film qui sort aujourd'hui, film signé Julie Lera Gersan. Je l'ai dit, ce film, on vous entend piquer une crise.
C'est sombre, mais c'est un film aussi sur la lumière qui peut s'éveiller. Ouais, c'est bouleversant parce qu'en fait, le film, bon, il y a cette espèce de suspense qui sous-tend le film qui est est-ce qu'elle va garder ou pas cet enfant. Mais je crois que ce que voulait raconter Julie, plus que tout. Donc, cette Camille, elle a un rapport très difficile à sa mère, sa mère qui est interprétée par Victor Dubois, magnifique, est une mère complètement incomplète, inconstante, inconséquente. On les prend même, quand on regarde le film, on les prend pour des sœurs. Une mère, et là où c'est incroyablement fait. Une mère Même, même dans le bar, quand elles vont boire un coup, le barman les prend pour des sœurs. Ouais, une mère copine, une mère qui se tire pour aller avec ses amants, une mère incomplète. Et ce qui est très très beau dans le film, c'est qu'elle, de manière très très subtile, Julie raconte comment cette jeune Camille, elle va devoir s'arracher à cet amour maternel et se défaire de cette, j'aime pas tellement le mot, mais c'est comme ça qu'on le dit, cette toxicité, pour arriver à devenir une autre femme que sa mère et à ne pas répercuter ce schéma et à quel que soit ce que ça lui en coûte dans son choix, mais à comprendre quelle femme elle va devenir. Alors qu'elle est menacée, on est tous menacés de reproduire nos schémas familiaux. On a cette peur comme une malédiction au-dessus de la tête de est-ce que je vais devenir cette même femme ou est-ce que je vais avoir la force d'inventer mon propre chemin. Et cette jeune fille toute jeune de 16 ans, accélérée par cette grossesse, va devoir s'extirper de cette coquille, quoi. Alors, il y a une manière de s'extirper de cette coquille, c'est que sa mère n'est pas là dans un moment absolument crucial. Elle a 16 ans, on le rappelle, Camille. Elle est allongée sur la table du gynéco. Il procède à l'échographie, puisqu'elle est enceinte de 4 mois à ce moment-là. Et c'est votre personnage, Nadine, qui l'accompagne dans ce moment crucial. Comment elle se passe, cette grossesse, Camille ? Ben, ça se passe. Nadine patiente au bureau. Tu le sens un petit peu bougé ? Ouais, c'est chelou. C'est comme un petit alien. Tu vas t'habituer. Tu verras. J'ai pas dit que j'avais mal, hein. Elle referme son chat et rejoint Nadine, le gynécologue. Du coup, à partir de quand je peux accoucher ? Les mamans se sont déclenchées que lorsque le bébé est en danger. Il prend un disque de grossesse. Tiens. Alors toi, tu accouches le 18 décembre. T'as la moitié. Putain, c'est long. Oui, mais c'est important ce temps. Il se passe des choses entre toi et le bébé. Même si tu veux pas le garder. Il ressent des émotions. Ah, ma mère, elle a détesté être enceinte et ça m'a jamais posé de problème. Hein. Elle lance un regard déterminé à Nadine. Bon, on se voit dans 6 semaines. C'est assez extraordinaire ce qu'on vient d'entendre. On vous explique, c'était pas prévu. L'extrait est en fait avec la voix de l'audio description pour les malvoyants. Et donc, en fait, en radio, ça peut pas nous gêner puisque la scène est décrite et on voit l'interaction qui se passe entre Nadine, le personnage, et Camille, la comédienne. Il y a aussi une actrice extrêmement impressionnante. Dans le film, je sais pas comment elle s'appelle, en vrai, elle s'appelle Diana. Non, dans le film, elle s'appelle Diana. Elle s'appelle Diana. En vrai, elle s'appelle Suzanne. Voilà, je me suis trompé. Diana, c'est le nom que j'avais noté. 2 ans et demi, elle a des dialogues, cette petite fille. Elle est extraordinaire, mais c'est bouleversant. Les dialogues... Juste racontez-moi, parce que je ne sais absolument pas comment c'est. Elle les apprenait ou elle les a improvisés ? Pour vous dire toute la vérité, c'est la fille de Julie et de François qui a accompagné Julie dans toute la création du film. Donc c'est leur enfant. Non, 2 ans et demi, il n'y a tellement pas de conscience de ce que c'est le vrai, le faux, le tournage. Donc justement, sur ce tournage, il y avait une espèce d'énorme préparation de la part de toute l'équipe, de toutes les jeunes comédiennes, de moi. On savait que quand Suzanne, par exemple, arrivait sur le plateau, ça demandait à tout le monde une espèce de mise à disposition absolue. Il y avait tout d'un coup les codes du tournage classique étaient explosés parce qu'il n'y avait pas de vas-y mettons bien sûr, il n'y a pas moteur heures. Coupé y a, on y coup, va c'était paf, on y va, on prend Suzanne, moi j'avais des sucettes dans le soutien-gorge, j'en avais tout plein de petites astuces pour tu vois qu'elle soit bien avec nous, comme c'est ses parents, ils arrivaient quand même à la diriger un peu par cette scène extraordinaire où elle est très longtemps avec Camille, où elle lui touche le ventre. Avant, son papa François lui a dit « Fais gaffe, le bébé va te piquer ta tétine », donc elle était obsédée par ça. Enfin, oui, elle dit ça, c'est génial, elle dit « Il va me piquer ma tétine ». Et là, on essaie de tourner la caméra 20 minutes, mais ça fait que c'était un plateau très loin des codes que je trouve parfois un peu lourds du cinéma, c'est-à-dire où tout prend un temps infini. Non, là, c'est tourné, ça retournait, ça... On en a fait un sujet là-dessus sur les 40 ans d'E.T. et Spielberg avec le petite fille,
dont le nom m'échappe à l'instant. Comment s'appelait-elle, la toute petite fille? C'est Drew Barrymore. Drew Barrymore, ouais. Elle était trop petite pour comprendre que c'était une machine articulée. Ouais. Donc, quand elle était sur le plateau, il devait animer tout le temps E.T. pour qu'elle pense qu'il vit vraiment et que ce soit un vrai personnage. Sinon, elle était plus focus pendant que ça tourne. Elle ne faisait pas la différence. Expliquer le vrai, le faux. Je l'ai dit, vous êtes d'une certaine manière une accoucheuse parce que vous n'êtes pas pour rien dans l'existence de ce film. Il y a une histoire entre vous et la réalisatrice Julie Leura-Gersan qui, pour son premier long métrage, comment ça s'est passé? En quoi l'avez-vous aidé, Romane Bourringer? Ouais, je suis particulièrement aussi attachée à ce film parce que d'habitude, comme comédienne, on arrive à la fin, tout le film est financé, on est engagé et tout ça. Il se trouve que Julie est comédienne de théâtre, qu'on a joué ensemble dans La Cantatrice Chauve, que pendant toute notre tournée, moi, j'écrivais L'amour flou à l'époque et elle commençait à avoir envie d'écrire. J'ai assisté dans le train au jour où elle a reçu la réponse de la FEMIS, où elle a été prise pendant un an pour l'écriture de scénario. Donc déjà, j'étais vraiment à la jeunesse, j'ai vu naître son talent et j'en étais infiniment convaincue. J'avais un instinct que cette fille était exceptionnelle. Et vous l'avez mise en relation avec vos producteurs. Il se trouve qu'un jour, elle me dit « Oh, je suis à Valenciennes pour un festival de scénaristes ». J'ai dit « Mais attends, ma productrice, elle est à Valenciennes aussi, rencontrez-vous ». Et le film s'est fait grâce à vous. Romane Bourringer, en grande partie. Non, grâce à son talent. Petite, c'est à l'affiche, elle est avec nous, Culture Média continue sur Europe 1, tout de suite. Avec les indispensables au programme aujourd'hui de la musique de film, on va parler des Césars, et puis une expo à ne pas manquer à Deauville, à tout de suite sur Europe 1.